toujours quand Darko se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mais le dossier d'aujourd'hui est trop fort, hein. Aujourd'hui, là, l'histoire est en train de sortir un peu. Oui, mais il faut qu'on profite de ça pour sensibiliser nos sœurs. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Oui, aujourd'hui, on va parler à 100 langues du bois. Avec raison, mon frère. Je suis très facile. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé à Dubaï? Voici des gens qui sont assis dans leur vie, vendent du rêve, allez-y à Dubaï. Donc, votre vie, c'est une vie de merde. Comment ça? Les mangeuses de caca. À Safroulaï. Je ne comprends pas. Tu vas te coucher et écarter bouche et puis quelqu'un va faire diarrhée dans ta bouche. Maman, vous êtes sûr que c'est vrai? Maman, la dame qui a mangé du caca. Avec quoi? Elle a fait un témoignage. C'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Toi, ta bouche est devenue versée. Moi-même, je m'interroge. Avec tous les problèmes qu'on a au quotidien là. Je te dis, Bimon. Ah. Quoi encore, maman? Le port qui porta est ça danger. Ma soeur, comment tu as eu l'info? Mais je tombe sur TikTok sur un influenceur que j'aime beaucoup. Et après? Et il se met à nous parler donc de ce qui se passe à Dubaï. Vraiment, mes soeurs, arrêtons de miroiter ce genre de vie à nos soeurs. Ces personnes font croire que, oui, on est des businessmen. Surtout des femmes d'affaires, mon frère. On est des femmes d'affaires. Quelles femmes d'affaires? Des mangeurs et des mangeuses de caca. Mal, ça y est, comment on les appelle même déjà? Les influenceuses, voilà les... C'est quoi même une influenceuse? Des femmes qui se présentent pour des modèles. Mal, ça, Dubaï là même a déjà dépassé l'Europe. Hein. Les gens ne luttent pas pour venir en Europe. Mais les gens luttent pour aller à Dubaï. Hé, hey, Dubaï. Donc quand vous partez à Dubaï là, c'est votre travail qui est là. Un partenaire fait même quoi juste à Dubaï? Et ils vont à Dubaï pour chercher les hommes caviar. Massa, je suis dépassé. Déjà derrière Dubaï où vous partez là-bas, il y a affaire là-bas. Quel genre d'affaire alors? Vous vendez du rêve à cette jeunesse. Vraiment, c'est malheureux. Hein? Oui, on a ci, on a ça, donc c'est votre travail là-bas. Vous n'avez pas honte. Vraiment, c'est malheureux. Donc vous confirmez qu'une jeune femme était en train de manger les popos? Une femme était en train de manger les excréments d'un homme. Alors, on a souffert. Chégué. Vous n'avez pas honte. Massa, vraiment, Odor, si tu n'as pas honte. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ah bon? Tu dis donc quoi de celles qui font ça? Je ne juge pas celles qui font, qui gèrent, qui se vendent. Moi, de toute ma vie, je ne l'ai jamais fait. Regarde, viens un peu répondre ici à Odor. Et donc, si Yao, vu que tu as fait vidéo, tu veux te justifier là. Toi, tu es une mangeuse de caca internationale. Pourquoi alors vous dites qu'elle mange aussi? Arrête de te défendre. Ah, donc c'est ça qui cloche alors. Voilà, arrête de montrer aux Ivoiriens que tu as quelque chose à leur dire sur ça. Oui, ma chérie, tout cet argent qui est là, ça dit que c'est les billets de 100 dollars. 100 dollars sur le fonds de commerce d'un multimillionnaire au Cameroun. Elles sont les économies de la vie de quelqu'un. Elle prend même tout cet argent là-haut. Comment Edoxy fait pour avoir son argent? Elle n'a qu'à venir expliquer ça aux gens. Ma soeur, s'il te plaît, explique-nous où tu prends l'argent là-haut une fois sur ça. Je t'ai dit que c'était pour mon anniversaire, on m'a fait plaisir. Godness! Odorsi, tu fais même quoi au juste dans la vie? Je suis une célébrité, je suis une star interplanétaire. C'est ton maudit matin, midi, soir. Ma soeur, tu entends ça? Mais c'est quel travail vous faites? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu? Voir quoi ou qui? Un bandit qui se lève et qui dit voici mes œufs. Le père, tu as vu? Jamais de la vie. Les gars, et vous? Jamais. Toi-même, ma soeur, tu as vu? Jamais. C'est de la sauvagerie. Est-ce que toutes les filles qui partent donc à Dubaï font la même chose? Tu sais pourquoi? Tu sais comment elle fait pour avoir ça? D'autres font donc quoi? Peut-être que ses parents ont l'argent. Quoi? Peut-être qu'elle est, elle est une bosseuse. Ah bon? Peut-être qu'elle travaille vraiment, que ce qu'elle va faire à Dubaï. Non, ma soeur, attends un peu. J'ai une information importante là. Parlons-en. Voilà, vous savez, il y a les gens qui aiment qu'on parle doucement pour qu'ils comprennent vite. C'est vrai. Désormais, pour tous vos problèmes de voyage pour le Canada, rendez-vous rapidement à Immigration Efficace Canada. Tu es un homme d'affaires, travailleur ou étudiant? Tu veux continuer tes études ou bien tu vas aller travailler au Canada? Tu es également à la recherche d'emploi au Canada? Ou alors tu veux faire une demande d'asile ou une demande de renouvellement de statut au Canada? Rends-toi rapidement et immédiatement dans l'une des agences d'Immigration Efficace Canada. Ils sont situés à Yaoundé, Douala, Canada, Côte d'Ivoire, Tchad, Gabon, Congo, Kinshasa. Voilà les contacts. Donc les gars, ne pleurez plus sur les réseaux sociaux qu'on vous a naqué. Donc si on en a vraiment, c'est parce qu'il veut. Rendez-vous rapidement à Immigration Efficace Canada pour toutes vos transactions. Même si tu es en babouche, mon frère, va là-bas, on va te recevoir. Ok. Avec Immigration Canada, fini l'escroquerie, les gars. Et tout ce que nos soeurs partent faire à Dubaï là, c'est quoi? C'est la couverture de p. C'est vrai, ma soeur. Pourquoi?
pourquoi autant de justifications? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi les jeunes sont pressés d'avoir l'argent comme ça. Ah, la génération pressée. Vraiment, c'est grave. Maman Odors, on mange les popos là même, pourquoi même? Physiquement, si des personnes le font, c'est que c'est pour de l'argent. Donc, c'est uniquement pour de l'argent. Les influenceuses, elles ont toujours besoin de rénover leur image. Mais tout ça tourne toujours autour de l'argent, non? Elles ont toujours besoin, donc elles ont besoin d'argent. Imaginez un peu. Bon, celle qui veut nous prouver dans le concret fait comment? Viens nous montrer la source. Là, je suis d'accord. Viens nous montrer où quand tu t'en vas, tu t'en prends tes conteneurs à Dubaï là. Et puis tu rentres à Abidjan. Pendant que tu es en train de monter les conteneurs, montre-nous ça. Quand nous on dit, ah vraiment, en tout cas, mais on montre jamais la source. Surtout au dossier à là. Tu fais rien, tu n'as jamais eu 10 d'or. Tout cet argent qui était même versé sur le lit là, elle a pris ça où? Qui va te donner plus de 100 000 dollars? Et Dorcy Yao de toi à moi. Mon frère, dis-nous un peu, quelle était l'intention de Dorcy vraiment envers ses soeurs? Je sais pas. Maintenant, tu allais à Dubaï pour aller faire tes vacances. Mais au lieu d'aller exposer ton argent là, fais tes vacances, reviens. L'argent que tu as exposé là, nous on sait qu'en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de dollar là-bas. Ah donc le dollar ne passe pas en Côte d'Ivoire? On n'utilise pas de dollar en Côte d'Ivoire. Elle a donc pris ça où? Mais tu as beaucoup de dollars comme ça. Maman. Tu as eu ça où? Tu as eu ça comment? Tu as fait quoi à Dubaï là-bas? Edorsi, tu as pris l'argent là où? La célébrité même là, donne déjà de l'argent. Hein? Quoi? La célébrité même là, donne déjà de l'argent. Hey, laisse les gens. Maman, est-ce que avec cet argent là, tu as pu traverser l'aéroport avec cet argent là? Non. Donc ça veut dire que cet argent là, tu l'as eu à Dubaï. Ha! Parmi ces influenceuses donc là, on va prendre qui comme exemple alors? Emma Loès, c'est la maman des busy. Hein? Mais vous savez c'est quoi qui me plaît chez Emma Loès? Et qu'est-ce qui te plaît sur elle? C'est une femme qui travaille. Elle travaille quoi papa? Emma a des entreprises. Ah bon? C'est vrai. Ok, un dernier message pour nos soeurs pour clôturer. Réveillez-vous. Mes soeurs, réveillez-vous. Surveillez vos enfants. Vous comprenez chers parents? En vrai? Vous comprenez? Hein? Dans ce pays mon frère. Point d'interrogation. Comment gagner alors sa vie naturellement? Ce que tu fais, si tu mets ton cœur dedans, ce que tu fais, si tu le fais avec ton cœur, tu le fais avec amour, ça va te nourrir. Vous comprenez dans la compréhension? Ah Valérie, j'espère qu'elles ont vraiment compris. Si la vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de me laisser un commentaire. Surtout, partage pour plus de sensibilisation. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.